suis Dr Moussa Bala Diakité. Je suis un membre fondateur de l'Association des élèves étudiants du Mali. Et membre du premier bureau de coordination et aussi le tout premier secrétaire général d'un comité AM créé en 90. Secrétaire général de l'école de médecine. D'accord. Alors, on a vu que c'était la journée seulement du 26 mars qui était célébrée. Actuellement, c'est toute la semaine. Les activités s'étendent sur toute la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, c'est une excellente chose. Cela montre, si besoin en est, l'importance du 26 mars dans la vie du peuple du Mali. Le 26 mars a été une chose extraordinaire pour le peuple malien. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cela peut apporter quelque chose à nous jeunes et aussi à la nation? Oui, bien entendu, parce qu'il ne faut jamais faire fi de l'histoire. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui n'ont pas vécu le 26 mars. Donc, si sur une semaine entière, les anciens en parlent, ça permet aux jeunes de savoir ce qui s'est passé dans le pays, comment en est-on arrivé à la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est une excellente chose. Je suis Mohamed Namouri Keïta, je suis un ancien de l'AEM, membre fondateur de l'AEM. Alors aujourd'hui nous sommes 26 mars 2024, AIM 91 aujourd'hui 26 mars 2024. Quel est le problème réellement que vous pouvez nous recenser, que vous avez connu ou vous avez rencontré? Ok, merci. Je remercie tous les auditeurs. C'est quand même une question très très importante et qui mérite plus de temps pour pouvoir répondre à cela. Compte tenu du fait que déjà l'AIM n'est pas venu du néant, l'AIM est venu sur un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes-là restent réels. Pour aller droit au but, pour parler de l'université aujourd'hui, c'est grâce à l'AEM. Pour parler des amphis, c'est grâce à l'AEM. Regardez aujourd'hui le nombre d'élèves qui existent au Mali. Si on était resté en son temps avec les mêmes structures, où est-ce que nous en serons aujourd'hui? Malheureusement, l'instrumentalisation des jeunes ont fait que l'AEM a été dévié. Nous, en tant que premier membre fondateur du bureau, je pense que vous pouvez faire un peu le tour de tous les anciens. Vous trouverez que nous avons reçu une formation adéquate et une formation qui nous a permis de travailler actuellement pour notre pays. Et on continue dans ce chemin-là. Alors, il y a eu plusieurs coups d'État après 91. Est-ce que ce n'est pas l'échec des anciens de l'AIM? Non, malheureusement, ce n'est pas l'échec des anciens de l'AIM. C'est en fait dû à la politique en cours. Tout simplement parce que le mouvement démocratique, après 91, il y a eu déjà ce que les révolutionnaires ont appelé un coup d'État au sein d'un coup d'État. C'est directement quand il y a eu l'achèvement du coup d'État par les militaires, donc on était obligé de suivre les militaires. Donc l'idéologie politique que nous on avait en son temps, on n'a pas pu les mettre en œuvre. Si vous allez par exemple à travers Karl Marx, comme il est dit, toutes les révolutions mangent leurs premiers enfants. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, l'idéologie qu'on avait dans les années 90, on n'est pas parvenu à les mettre en œuvre. Tout le problème a été ainsi. Voilà un peu, si on analyse de façon générale, ce qui a joué sur la vie du mouvement démocratique. Alors, AIM a été dissous. Est-ce que vous êtes encore légalement assis du fait que l'AIM qui est actuelle, qui est sur la scène actuelle, a été dissoute? Qu'est-ce que vous, légalement, vous êtes encore sur place? Mais nous, on est sur place. L'AIM, c'est les étudiants. Moi, je ne suis plus étudiant. Je suis un ancien de l'AEM. Ça ne fait pas. Même demain, on va appeler Modibo Keïta, ancien président de l'USRDA. L'USRDA a été dissoute en son temps. Moi, je reste ancien de l'AEM, je reste militant de l'AEM et je reste membre fondateur de l'AEM. Rien ne peut m'enlever ça. Ça, c'est un fait. Donc, c'est clair et net. Même si vous dissolvez aujourd'hui l'AEM, moi, je ne peux pas. Est-ce que je peux effacer le fait que j'ai participé à la mise en place de toutes les instances de l'AEM? Non. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas l'effacer. Mamani Ibrahim, président du mouvement Tamis du Sahel, ancien de l'AIM. Alors, aujourd'hui nous sommes 26 mars 2024. 26 mars 1991, qu'est-ce que nous pourrons dire? Merci pour la question. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir après plusieurs décennies,
c'est que des Maliens se sont battus il y a plus de 30 ans et des Maliens continuent à se battre contre les régimes égocentrico-pessimistes, les régimes barbaro-tyranniques, les régimes misanthropo-fascistes, les régimes anthropo-fascistes. Et ils savaient pourquoi ils se battaient. Ils mettaient tous l'accent sur un certain nombre de valeurs, d'éthique morale. Et tous aujourd'hui sont unanimes là-dessus, hommes et femmes, jeunes et vieux, que ce n'est pas ce Mali qu'on attendait. Ce n'est pas ce Mali qu'on attendait. Les Maliens qui se sont sacrifiés en mars 91, ils l'ont fait avec l'intention, l'objectif d'avoir un Mali de pères et mères, de frères et sœurs, un Mali de famille avec des relations plus fraternelles, plus amicales, plus sincères, mais pas ce Mali de division, pas ce Mali de vengeance, pas ce Mali de discrimination, pas ce Mali de favoritisme, mais un Mali débarrassé de tout ceci. Les Maliens ont payé de leur vie en mars 91 pour avoir un modèle de développement économique qui permet à tous les Maliens de jouir pleinement des richesses du Mali, mais pas ce modèle de, mais pas l'économie de conteneurs qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les Maliens sont sortis en mars 91. Ils ont donné leur vie pour avoir une démocratie qui valorise nos mœurs, solidifie notre culture, qui consolide nos valeurs sociétales, mais pas cette démocratie qui a divisé des familles, qui a divisé des pères et mères, qui a divisé des pères et des mères, qui a divisé mères et enfants, qui a divisé fils et pères, qui a divisé des familles. Mais pas cette démocratie qui a profané tout ce qui était sacré et inviolable ici au Mali. Les Maliens sont sortis en mars 91. Ils ont payé de leur vie pour avoir un Mali de paix, de quiétude, de concorde. Un Mali où il fait beau de vivre. Mais pas ce Mali de cortège de rébellion. Pas ce Mali de terrorisme. Pas ce Mali de guerre par procuration. Ni ce Mali de conflits ethniques et de conflits communautaires, mais un Mali débarrassé de tout ça, un Mali où il fait beau de vivre, un havre de paix. Voilà pourquoi les Maliens sont sortis en mars 91. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, si à travers les témoignages, ce qu'on peut retenir aujourd'hui est que les causes pour lesquelles les Maliens sont sortis en mars 91 ont été trahis de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous on ajoute que si en mars 91 les Maliens disent qu'on est sorti d'un régime dictatorial, un régime militaire, on est sorti d'un régime militaire, oui. À travers quoi? Pas à travers la porte, on est sorti par la fenêtre. C'est pourquoi on s'est retrouvé aujourd'hui, le Mali, on est dans un régime militaire. Et si on ne fait pas attention, on risque de sortir cette fois-ci aussi par le mur ou bien par le toit. Et ça, ça n'arrange pas le Mali. Ça n'arrange pas ceux qui sont sacrifiés en mars 91. Et je vais conclure en disant ceci, que si on ne fait pas attention, les morts qui ne sont pas morts, d'après Birago Diop, vont continuer encore une fois de plus à désespérer des vivants, car les causes pour lesquelles ils ont donné leur vie ont été trahies. Avant de terminer, j'aimerais savoir, en 91, il y a eu des coups d'État à travers la participation de l'AIM et de la société civile. Et nous sommes encore dans la transition après 31 ans. Est-ce que la lutte n'a pas été échec? Est-ce que la lutte qui a mené vraiment à ces changements à l'époque n'a pas été vraiment aujourd'hui un problème? Parce que selon beaucoup de Maliens, les élections n'est plus la solution au Mali. Oui, c'est ça que j'ai dit dans mon intervention. J'ai dit qu'on a une démocratie qui n'est pas conforme à nos valeurs sociétales. Les élections ne sont, pour nous, pour moi personnellement, les élections ne sont pas la solution. On a organisé combien d'élections? Mais les mêmes problèmes sont toujours là. En 92, on a organisé une élection. Il n'y a pas eu de solution. En 97, il y a eu élection. 2002, il y a eu élection. 2013, il y a eu élection. Mais jusque-là, les mêmes problèmes demeurent. Donc cela veut dire que pour moi, je le vois comme ça, l'élection n'est pas la solution. Un soulèvement populaire également n'est pas la solution. C'est un soulèvement populaire qui nous a conduit là où on est aujourd'hui. Moi je propose, nous proposons une révolution intellectuelle sincère. Une révolution intellectuelle sincère et qui peut tourner, ça peut tourner autour des militaires, comme ça peut tourner autour de moi. Je suis un leader accélérateur de l'histoire. Je sais que j'ai la solution pour le Mali. Voilà ce que j'avais à dire.